Bonjour à tous, soyez bienvenus ici au lycée d'enseignement général Saint-Luc. Alors je suis avec les filles de la classe de seconde. Ça va les filles? Oui, ça va bien. Est-ce que vous savez ce qui se passe le 18 octobre? Oui, c'est l'anniversaire de l'ensemble Saint-Luc. Alors je vous propose aujourd'hui d'aller interroger l'ensemble du personnel éducatif de Saint-Luc. Vous allez voir Monsieur Binois. Super, on y va? Oui. Bonjour la vie scolaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qui est Saint-Luc? C'est celui qui arrive en retard ce matin. Bah écoute, on lui a mis 2 heures, non? On lui a mis 2 heures. On lui a mis 2 heures, c'est bon. Et vos carnets là, donnez-moi vos carnets. Bonjour. Bonjour Monsieur Loarens. Vous savez qui est Saint-Luc? Alors Saint-Luc, Luc, prénom de famille Saint. Non, je l'ai pas dans ma base. Il est à ce qu'en quoi? D'accord, merci, merci. Les filles, vous savez qui est Saint-Luc? J'ai pas le bâton, maman. Ah bah bon appétit. Merci. Hein. Vous savez qui est Saint-Luc? Tenez-moi tous vos carnets. Vite. Bonjour, on est venu avec les élèves savoir si vous avez une explication et nous dire qui est Saint-Luc. Alors, on a une explication, mais il va falloir s'accrocher, vous êtes prêts? Alors, on va démarrer. Donc Saint-Luc, bon, vous voyez, c'est comme un verre d'eau, hein. Un verre d'eau qu'on remet dans une fiole munie d'un entonnoir. Et j'y vais, et voilà ce que ça donne. Et voilà, c'est ça Saint-Luc. Des questions? Interrogations? Nous continuons notre reportage en salle de musique. Nous allons à la rencontre de Monsieur Binois. Bonjour Monsieur Binois. Bonjour. Vous savez qui est Saint-Luc? Oui, Saint-Luc. Il a laissé une œuvre importante, plus de 200 œuvres pour le luth. Il a même un goût particulier pour le spectacle. Il écrivait déjà des petits opéras, notamment Jupiter. Il a écrit des danses comme la Sarabande. Regardez comme c'est magnifique. Jean de Saint-Luc, il a écrit des danses comme celle-ci, mais... Ah, c'est pas Jean de Saint-Luc, c'est Saint-Luc. Ah, Saint-Luc. Ah non, moi c'est Jean de Saint-Luc. Bah écoutez, merci Monsieur Binois. Nous continuons toujours notre reportage pour savoir qui est Saint-Luc. Bonjour Madame Hilario, une question. Vous savez qui est Saint-Luc? Hola, buenos días. Bueno, San Lucas también hablado. He llamado el evangelista, es uno de los 4 evangelistas quien escribió los evangelios. También en la iglesia católica se venera a San Lucas y también es el patrón de los artistas. No solo de los artistas, pero también de los médicos. Uy, los médicos. Y por fin, el santo patrón de los estudiantes. Muchas gracias. Pero de nada, con mucho gusto. Sí, sí. Joyeux anniversaire.